Mystère mystérieux. Alors, l'Anson Tic-Toc. Un livre. On change juste le titre. On ajoute un objectif. Ah ben voilà. Alors, comment ça nos data? Comment ça nos data? Pourtant, j'ai le stream qui est lancé, je comprends pas. J'ai l'impression que sur YouTube, ça fonctionne pas. Bonsoir, bonsoir. Ah, si, ça marche. Voilà, on est 5 sur YouTube. Voilà. Ça, je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi ça marchait pas. En fait, ça marchait. Bon, ben voilà. C'est difficile d'avoir tout sur. Faut que je me mette un écran plus grand, en fait. Et là, je sais pas combien j'ai de personnes. C'est pas grave. Bonsoir. Donc, nous sommes là pour corriger. Enfin, nous sommes là. Non, non. Je suis là pour corriger encore des copies de 6e. Donc vous inquiétez pas si vous avez déjà vu, c'est normal. Bonsoir à tous, bonsoir. Oh, t'as déjà 74, c'est beau. Donc, qu'est-ce qui me met là? Oui, correction ce soir. Il y aura la copie de mon petit frère, oui, sûrement. S'il a fait son interro aujourd'hui, il y aura sa copie, effectivement. C'est le but. Merci pour le partage. Je vais bien, écoutez. On fait aller, hein? Donc ce soir, correction de 6e. Donc toujours pareil, une partie leçon, une partie exercice avec. Trois exercices. Pour ceux qui ont déjà vu, je suis désolé, mais pour les autres, ben, vous voyez ce que ça donne. Maintenant, vous allez avoir la correction. Donc, les élèves ont fait l'interro tout à l'heure. Je rappelle que ce sont des vraies copies. Donc, évidemment, on évite les remarques blessantes sur l'écriture, etc. Je vous rassure, quand on écrit mal, c'est pas qu'on veuille écrire mal. Je suis bien placé pour le savoir, vu mon écriture. De même, il faut imaginer que des élèves ont travaillé pour avoir ce résultat, donc évidemment, même si c'est un peu faible, ça arrive. Bon, après, des fois, ils n'ont pas travaillé du tout, hein, mais voilà. Donc, surtout, on reste courtois, on reste poli et on encourage les élèves qui travaillent parce qu'après tout, ça fait toujours plaisir d'être encouragé et ils peuvent gagner s'ils ont 38 des badges Pokémon fait maison. Ah, j'en ai pas là, zut. Donc, ils peuvent gagner des petits badges, ils savent, avec des Pokémon. Holo, parce que c'est joli et ça brille. Bon allez, vous inquiétez pas, il est intérêt à avoir une bonne note, mon frère. Vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite aux commentaires pour la simple et bonne raison que quand je regarde là, je peux pas regarder ici en même temps. J'aime bien la faire à chaque fois. Après, du coup, c'est tout flou. Voilà. J'ai trop peur, je suis un 6ème 3. Si vous n'êtes pas un élève à moi, il n'y a pas à avoir peur. Hein. Donc voilà, merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les dons aussi, ça permet justement de financer ces petits cadeaux pour les très très bons élèves, hein, puisqu'il faut avoir 38 et évidemment, s'il y a des dons extraordinaires, on peut baisser la note de récompense à 37 puis 36, on allait jusqu'à 30 une fois. Bon, voilà. Bon allez, je tire mes camarades vers le haut, il n'y a pas de souci. Allez, c'est parti. Crise biologique, période pendant laquelle on observe une disparition brutale d'un grand nombre d'espèces. Capacité à se régénérer, à se reconstruire après une perturbation. Oui. Ah, je rappelle que je suis en live en même temps sur Twitch et sur TikTok et sur YouTube. Pour ceux qui préfèrent changer de support.
fossiles roches ayant pris la forme d'anciens êtres vivants, mauvaise saison, période de l'année, défavorable à certains êtres vivants. Eh ben voilà, les définitions, elles étaient sues. Oh, dommage, la marge. Dans la région, les deux mauvaises saisons, dans la région, dans notre région. Allez, 4 quand même. Quand il y a le feu de forêt, que la forêt se régénère. Alors, il faut revoir la phrase. Parce que c'est savoir, est-ce que machin. Quand est-ce que c'est résilient? C'était sur combien, ça? Sur 2 points, on va mettre 1,5. Un écosystème ne peut être résilient quand il y a des perturbations trop nombreuses. Très bien. La biodiversité change au cours du temps car il y a des variations de biodiversité ou... Ah, c'est pas relu. C'est pas ça, c'est des variations de biotope. Relisez-vous. C'est dommage. Ou des changements cataclysmiques. 3. Alors ça c'est pour la partie leçon. 5, 9, 10, 10, 18 et demi. Ce qui est très bien quand même. Présentation c'est plus 1. J'ai oublié la marge. Hello, bonjour Estelle. Ah merci pour le cœur, c'est gentil. Oh, mais on est déjà 464, c'est bien, c'est les 6e 3, tout à fait. Alors, les dates approximatives sont moins de 150, c'est bon, moins de 100, non, c'est pas bon. Et moins 450, ça c'est bon, donc 1,5 sur 2. En moins de 100, la température a augmenté, en moins de 100, la température n'a pas changé, oui, ça c'est juste, c'est juste. Température a diminué, tout ça c'est juste. Vers moins de 150, la température diminue et le nombre de familles augmente. Exact. Non, ce n'est pas sûr car, par exemple, la réponse précédente. Bon. Phrase à reprendre. Alors c'est juste, hein, mais c'est pas comme ça qu'on rédige une réponse quand même. Polyphage signifie omnivore qui se nourrit aussi bien de végétaux que d'animaux. Oui, parce que j'avais dit que polyphage omnivore, c'est pas une définition, hein. C'est un synonyme. Je veux ce prof. Et ouais, bah, il faut venir dans mon collège. Un frottis, c'est une observation qui est faite sur des cellules qui sont frottées sur une lame. Et comme ça, on observe de quoi elles sont faites. J'ai des 6e et des 5e cette année. Voilà. Cette année, des 6e et des 5e. Alors, lapin. Printemps, il n'a pas faim. En automne, il n'a pas faim, il n'a pas faim. Oh là là, rongeur. Ah d'accord, il va me dire pour chacun ce que c'est. Alors que la question c'est est-ce qu'ils mangent la même chose? D'accord, bon, on peut compter 2,5. Réponse un peu confuse et maladroite. Parce qu'en fait, il fallait simplement me dire qu'ils mangeaient pas la même chose. On n'est pas obligé de me dire. Bon, lui il a pris du temps pour le faire, hein, c'est très bien. Mais c'est un peu à côté de la réponse. Il a choisi d'avoir une alimentation variée dans ses ors, et oui. Selon ce qui est disponible. Et la fin n'est pas faite. Alors, ça nous fait 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais c'est pas mal quand même. 12. Et vous savez, j'ai jamais eu au moins 30 sur 40, alors je vais avoir plus. Ah, 30. Et 1 et demi sur 40, mais c'est très bien. Voilà une excellente note. 20, 31 et demi. Et ben voilà, ah ben ça fait plaisir. Un élève qui travaille, c'est une bonne note. Hein. Qu'est-ce que je vous dise? Allez, bonsoir Enzo. Je veux revenir au collège sur le métabolisme. Ah oui. Non, mais il y a un petit... il y a un point de bonus. Alors, qui va gagner de l'épeur, l'éclair ou du tic-toc? Merci pour le cœur, c'est gentil. Désolé si je vois pas les dons tout de suite. Oh, on est 600. Bonsoir, les 600. Moi, je l'ai fait, c'est trop dur. Ouais. Je rappelle que mes élèves ont une semaine pour réviser, quand même. C'est pas difficile d'être prof, je mente. Ah, merci pour la rose. Merci, Titi. Le point bonus, c'est pour la présentation. En fait, il y a deux points bonus pour la présentation s'ils arrivent à suivre la consigne jusqu'au bout, à savoir faire un bandeau et faire une marche. Et qu'évidemment, il n'y ait pas des trucs, des ratures de partout, après.
Alors, Péride, pendant laquelle on observe une disparition brutale. Deux points, résident capable de se reconstruire. Hein. Rocher a pris la forme d'un être vivant. Deux points, mauvaise saison, période de l'année défavorable à certains êtres vivants. Certains êtres vivants. Les deux mauvaises saisons sont l'été et l'hiver. Et oui, mais il faut dire où. Parce que l'été et l'hiver, quelle région? Voilà. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la forêt car elle se régénère. Alors pareil, elle se régénère. Elle se régénère quand? Quand il y a un incendie. Et elle se régénère après un incendie. C'est là qu'elle est résiliente. Un écosystème ne peut pas être résilient qu'à des changements de climat et des perturbations. Deux points. Très bien. La biodiversité change à cause des temps géologiques, à cause d'une catastrophe au cœur du biotope. Attention au mélange. Alors, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Très bien. Pour la partie leçon, 18, quelqu'un qui savait bien son cours. Oh ouais, c'est simple. Alors le problème de prof, c'est pas tellement le métier. Moi j'adore le boulot. C'est tout ce qu'il y a à côté, les papiers, les machins, les gens qui te disent que tu es toujours en vacances, c'est un peu lourd. Elle a un peu diminué, elle a augmenté pour ce truc. Voilà. Mais sinon, être avec les gamins, leur apprendre des trucs, travailler, c'est sympa. On ne peut pas être sûr car la température diminue et le nombre de familles augmente, donc on ne peut pas être sûr. Alors, ça serait plutôt pour la question 4. La question 9, je veux dire. Ça, c'est bon. Et ça, c'est 1 point. Mal dit. En fait, c'est là qu'il fallait dire qu'on ne peut pas être sûr parce que la température, machin, etc. Un polyphage signifie qu'il manque des végétaux, aussi des animaux, comme les êtres humains. Important la virgule ou la parenthèse. Oui, elles sont sympas, les classes. Après, il y a des casse-pieds, hein. Ah, bonne question pour la grève jeudi. Je pense que oui, en fait. Bonsoir, Pharo. Alors, il ne mange pas tout le temps de la même façon, car il mange de tout. Et alors, là, lui, du coup, il n'a pas utilisé le graphique, puisqu'il fallait montrer qu'on utilise le graphique. Il se nourrit essentiellement de ce qu'il y a. Ben voilà. En été, c'est les fruits. Voilà, très bien. Alors, présentation. Et alors, il manque la question. Et il manque les titres des documents. Il y avait des pingouins, des bisons, des pingouins, des bisons. Bon, ça, ça va. Avant, il faisait plus froid et plus d'animaux, donc il y avait des pingouins et des bisons. Oula, alors ça, à vérifier. Alors, il faisait plus froid parce qu'il y avait des pingouins et des bisons, justement. Ou parce qu'il faisait froid, on voyait des pingouins. Donc il y avait des choses qu'il n'y a pas maintenant. Et alors le climat? La réponse, la question, c'est quand même le climat. Alors 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est pas mal ça. Et surtout, ça nous fait notre premier 35 sur 40. Et vous savez ce que c'est le 35 sur 40 pour les habitués? Voilà. Et voilà, je vois qu'il y a des connaisseurs. Alors, on est 900, on va dire 300 votes pour le GG de TikTok. Est-ce que vous êtes prêt à voter pour encourager cet élève et lui dire bravo, félicitations, good game, tu as bien joué, il faudra au moins 300 votes. Ouh, on est 1000 d'un coup, il devrait facilement arriver aux 300 votes. Est-ce qu'il va arriver à la moitié des spectateurs qui votent pour encourager cet élève qui a bien travaillé? Les 300 sont obtenus, donc déjà, GG de TikTok. Parce que c'est un bon travail et que c'est très bien. Est-ce que j'ai déjà corrigé? Voilà. Combien il arrive? 400. Merci, Silo. C'est gentil. J'ai le TikTok déjà sur YouTube. J'arrive pas à faire les votes sur YouTube. Je sais pas faire. Et sur Twitch, on doit pouvoir faire aussi, mais... Sur Twitch, il n'y a personne. Donc, il n'y aurait personne pour voter. Ce serait dommage. 5 secondes, 400. Est-ce qu'il arrive aux 700 de la moitié? Ah, ça va être dur. Ah, le S. Merci, le S. Pourquoi de TikTok? Parce que c'est sur TikTok qu'on vote. Ah, j'ai pas regardé le chiffre. Damned. Il y a quand même des gens qui votent non. Quelque
Quelqu'un a vu combien c'était? 409. Merci. Hop. Heureusement que vous êtes là. 409 GG de TikTok. C'est quand même un très bon chiffre. Dans l'ensemble, on peut dire que c'est du sérieux. Oh, mais j'ai l'impression que ce soir, il y aura pas mal de GG de TikTok. Des élèves qui se sont bien préparés. Pikachu, c'était moi. Ah bon? Salut, Tompton. Oh, 14 sur YouTube, c'est assez rare. Pourquoi mes votes sont refusés? Je sais pas. 2 points de participation. Ah ouais, mettre des points sur les GG. Oh, si je fais ça, ils deviennent fous. Faire des points sur les dons. Si vous remplissez l'objectif, on rajoute 5 points. Non, ça serait trop. T'imagines? Le mérite à l'argent, tu sais. Alors, et puis... Rajoute 1 point par don. Oh, quelle horreur. Un jour, on va y arriver. Hein. Ça serait le... l'équivalent de la télé-réalité en copie. Dans notre région. Et ben voilà, c'est bien. Quand il y a un feu de forêt et que la forêt se génère, elle se régénère après un incendie. Et la question 4, t'as pas faite? Ah mince! Du coup, ça fait 6 points en moins quand même. Alors non, je ne suis pas dans un établissement spécialisé, mais il y a beaucoup d'élèves, il y en a de plus en plus qui ont un plan d'accompagnement personnalisé, oui. Ah ben tenez, je voulais un exemple de badge. Voilà, un exemple de badge que peuvent gagner mes élèves. Voilà, un badge Pokémon. Quoique là en plus j'ai pris des holos, j'ai pas pris des Pokémon classiques. Alors, 1, alors 2, 4, 6, 10, 12, 13 et demi. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour la question 4 et 5. Alors, il y a une disparition de famille en moins 450. Moins 200, non. Et en moins 250, oui. En moins 450, la température a fortement chuté. En moins 200, la température n'a pas changé. Très bien. En moins 250, elle a légèrement augmenté. Très bien. En moins 250, alors, c'est pas qu'elle baisse, elle diminue. Famille augmente. 2 points. Non, car on voit dans la réponse précédente, il y a un changement de température. Et au contraire, une crise biologique. Et au contraire d'une crise biologique... Ah bah ça c'est très bien. Très bien rédigé. Au contraire. Un demi quand ils ont le GG de TikTok. T'imagines? Incendie, oui, non mais j'ai bien compris. Hop. Merci les correcteurs orthographiques de TikTok. Polyphage signifie omnivore. Qui mange tout. Ah. À préciser parce qu'il mange tout, il mange aussi des cailloux. Non, le renard ne se nourrit pas tout le temps de la même façon, car on le voit par exemple en hiver, il ne mange que des herbacées. Ou alors il mange pas que des herbacées. Et des fruits, alors qu'en été, il ne mange plus du tout d'herbacées. Bon, il a bien vu le graphique, ça va. La stratégie qu'il a choisie est qu'il mange ce qu'il y a, par exemple, en été, il mange plus de fruits. Et ben voilà, très bien. Aujourd'hui, nous allons expliquer si l'environnement est 0. Hein. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mais c'est pas mal. Alors, on vérifie. 5, 10, 11, 12, 13, 14. Ah, voilà. Il y a la marge partout. Ah, il n'y a pas la marge ici. Ah, mais il a remise là. Bon. Allez. Alors, ça nous fait 14, 15, 28, 29 sur 40. C'est bien. Ça fait quasiment 15 sur 20 quand même. Hein. Heureusement que j'ai pas les GG à 30 hein, parce que sinon. Alors. Voilà. Alors après, la question se pose, Faro. La question se pose de pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce qu'avant on les détectait pas? Et du coup, c'est des gens qui n'arrivaient même pas au collège. Hein, parce que je rappelle qu'il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. Il y a quelques dizaines d'années, pour arriver au collège, il y avait un petit examen où on n'allait pas en collège, on allait directement en section pro. Fait, voilà. Est-ce que c'est parce qu'on ne les détectait pas ou est-ce que c'est parce que notre mode de vie fait que ça abîme les capacités, cognitives des élèves, des enfants? Bon, après, honnêtement, si vous avez des enfants, ne leur filez pas un téléphone. Qui n'aille pas sur TikTok, dit le mec qui est sur TikTok. Alors, résidence, capacité à se régénérer, les fortes perturbations, oui. Roche ayant pris la forme d'être vivant, oui. Crise biologique, non-libération, oui. Et il en manque un. Les deux mauvaises saisons d'entre en hiver. Très bien.
Oui. Et la question 4 et la question 5. Oh là là. Je rappelle que mes élèves, ils ont le sujet à l'avance, hein, quand même. Alors, 2. 2, 4, 6, 10, 13. Tiens, c'est un peu trompé là sur la. C'est dommage pour la question 4. Alors, question 6, première date. Alors, c'est moins, moins et moins. La première disparition de température a baissé, la deuxième de température a un peu baissé, la température n'a pas baissé. Alors vers moins 270, elle a même augmenté. Hein. Là, c'est une erreur. Petite erreur de lecture du graphique. Bonsoir, l'insolite. La température baisse, mais ne provoque pas de disparition. Au contraire. Là, il fallait dire qu'il y avait une hausse. Polyphage signifie qu'il peut se nourrir aussi bien d'animaux que de végétaux, comme l'être humain. Alors, n'oubliez pas la parenthèse, parce que si vous dites peut se nourrir de végétaux que d'animaux comme l'être humain, ça veut dire qu'il mange des êtres humains, faites gaffe quand même. Le renard est polyphage, il peut se nourrir aussi bien de végétaux et d'animaux. Et le graphique là, il fallait me dire ce que vous voyez sur le graphique. Le renard peut se nourrir de la même façon qu'en hiver, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de fruits. Présentation, c'est une grosse proche de ma salle avec un pote, c'est pas ça. Il y en a qui n'ont pas écouté les consignes. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et demi. Oh, mais vous avez tout à fait raison. Mais c'est la même différence qui existait, qui a toujours existé, sauf qu'elle se creuse encore plus. Alors je suis désolé de le dire, mais quand vous avez un enfant et que pour qu'il soit calme ou que vous puissiez faire ce que vous avez à faire, vous lui donnez un téléphone. Moi quand je fais les courses, des fois j'ai envie d'arracher les téléphones des mains. Tu vois des petits dans les caddies et pour qu'ils soient sages pendant les courses, ils ont leur téléphone avec Peppa Pig ou autre chose. Et moi je sais ce que ça va donner. Là ils ont 3 ans, ils sont scotchés sur leur truc. Après on dit, oh regardez comme ils sont intelligents. Mais non, c'est un réflexe. C'est pas. C'est malheureusement pas plus d'intelligence que ça, quoi. C'est un réflexe. Et avec ce réflexe, malheureusement, on peut pas. Bon, après, ça fait vieux réac de dire ça, quand même. Non? Ça fait un peu vieux réac. Des conseils, bien lire les documents. La question 5 est à la fin. Ah, je l'ai pas vu. J'ai pas vu la question 5 à la fin. Il n'y a rien. Il y a écrit question 5 et puis c'est vide. Voilà. Allez, voyons voir un peu ce que ça donne. Alors, crise biologique, période de l'année pendant laquelle on observe une disparition brutale grand nombre sur l'espèce, résiliente, capacité à se régénérer, à se reproduire après une perturbation, fossile après avoir pris la forme, et mauvaise saison à certains êtres vivants. Je ne reviendrai pas sur l'orthographe. Les deux mauvaises saisons sont l'hiver et l'été, car. Alors, allez, pareil, où? Dans quelle région? Parce qu'il y a des régions, l'été, c'est pas une mauvaise saison. Hein. J'avais mis à l'autre. 2,5. 2,5. Un peu de cohérence. Exemple, si un incendie, elle peut se résilier. Ah, alors, elle peut se résilier. On arrête. Voilà. On arrête. Alors, elle peut se résilier à elle. On ne sait pas qui. On va mettre 0,5 pour les fonds. Parce que elle, dans sa tête, c'est clair, c'est ça qui est triste. Mais c'est pas clair dans ce qu'elle écrit. Dans le cas où les perturbations sont trop nombreuses, allez, admettons, les deux raisons sont le changement de biotope et les phénomènes cataclysmiques. Alors, les phénomènes, je ne vais pas le compter. 5, 6, 10, 16 et demi. Oh, ben ça reste bien quand même. Plus j'aime beaucoup son décor, meilleur prof. Qu'est-ce qu'elle est intelligente, cette petite? Qu'est-ce qu'elle a bon goût? Bonjour Fatima. Alors, il y a une disparition des familles. Alors, c'est moins, moins et moins. Et les trois sont justes, mais il faut des moins. Question 7. Elle me l'a pas mis. Il se passe qu'il fait très très froid. Et le papa dehors pour manger, loin d'avoir mal. Regardez la courbe des familles. Alors, pourquoi je dis ça?
Ouais, moi j'étais même il y a longtemps, j'ai eu la préférée que là, la température diminue, très bien, mais la courbe des familles, c'est ça là, donc on voit qu'il y a une augmentation au contraire. Alors oui, parce que la courbe. Alors oui, on peut dire, on peut être sûr que les changements de température. On a trouvé à manger. Ah non, alors. Je vais y compter plus que ça parce qu'elle s'appuie sur la question là, mais la question là est faute. Donc je vais pas y compter deux fois la faute. Un qui peut se nourrir aussi bien de végétaux que d'animaux, très bien. Je vois que le renard se nourrit tout le temps de la même façon. Car dans le texte, ils disent que le renard se nourrit comme un être vivant. Alors, graphique. Graphique à reprendre. Alors, on a toujours quantifié sa nourriture, sur son symptôme de nourriture, et ben là, elle répond pas à la question. Là, juste, elle recopie la question, mais elle ne répond pas. Même qu'actuellement. Oh là là, alors 0,5, parce que c'est une tentative de se donner une vision dessinée. Ouais, ça c'est. Lequel? Dire qu'ils peuvent regarder les corrections des autres. C'est ça qui me tue, moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et demi. Ça qui me tue. Ils peuvent regarder les questions, corrections des autres. 10, 26. Bon, ça fait 13 sur 20 quand même. Voilà. Ouais, il y a de bons élèves, il y a de moins bons élèves. Écoute. Il y a de tout. Alors. Combien on est sur TikTok? Oh, on est 1100 sur TikTok, c'est énorme. Bah, vous inquiétez pas si je me trompe. C'est bien quand même. Tout à fait, vous avez raison, c'est bien, il faut être. C'est des SVT. Alors, Estelle, ce soir, c'est calme? Ils sont bienveillants, ils sont gentils? J'aurais porté plainte. Ouais, porte plainte au Becherel déjà. ouais, c'est pas mal, 13, faut pas non plus. Alors j'ai mal compté, ça m'arrive. Vous inquiétez pas, mes élèves le savent et ils recomptent. Merci pour les dons, merci pour les partages, au fait. Alors qui est-ce qui gagne pour l'instant? Ce sont les éclairs qui gagnent. Donc on va aider les TikTok. Je fais un concours. Merci Adrien. Voilà. Je préfère Zara. Oh, chacun met son décor. Zéro sur la présentation. Mais non, alors voyons voir. Ah, j'ai oublié la marge ici. Présentation. Bon. Alors, mauvaise saison, période de l'année qui n'est pas favorable à certains êtres vivants, très bien. Roche ayant pris la forme de certains des êtres vivants, très bien. Capacité de se régénérer après un bouleversement, bon, perturbation, ça marche aussi. C'est quand on observe un grand nombre d'êtres vivants disparaître dans le temps. Eh ben voilà, très bien. Voilà les définitions qui étaient bien connues. Ce sont l'été et l'hiver, car l'été fait trop froid. Attention. Alors, où? Et c'est-à-dire quelle région? Parce qu'il y a des régions où l'hiver n'est pas une mauvaise saison. Les arbres. Oh là! Phrase. Par exemple, quand on arrache la racine d'un arbre, celui-ci ne peut pas repousser. Ah non, ça c'est pas le cours. Et là, il n'y a rien, c'est dommage. Il aurait dû me demander, j'aurais répondu. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 et demi. 11 et demi. Alors, on va voir cette partie de leçon. Alors, à moins 250, moins 50 et moins 420. Phrase à reprendre. Pour la première température, j'ai cité un Q6, non, pour les autres, oui. Oh là là. Confus. On va passer. Il va se passer que quand il y a une disparition, la température est moitié, molé, malé. Qu'est-ce que dit la température? Oh, vous êtes méchant avec vous. Elle est matée. Ce sont des sixièmes. Des sixièmes modifiés. Ah, elle est modifiée. Ah ouais, c'est possible.
Allez, un point. Oui, elles font toujours de cryobiologie. Eh ben non. Eh non. Voire en moins 200. En moins 150 millions d'années. Tac, tac. Polyphage, je veux dire qu'il peut très bien se nourrir de végétaux et d'animaux. Très bien. Non, comme on le voit en hiver, seule l'apparition des herbacées. Oui. Alors c'est incomplet parce qu'il fallait comparer à une autre saison. Je pense qu'il fait des provisions, mais pas du tout. Et il mange le strict nécessaire pour sa survie. Il mange en petite quantité. Et il change de nourriture. Surtout. On le voit avec 4 de gauche, la préhistoire est récente. Et la question, il faut faire aussi la question. C'est marrant comme cette façon d'écrire. Faut aussi rappeler la question. On voit que le bison est dans un endroit enneigé et son habitat naturel. Et le pingouin, et il faut aller en parler aussi. Un point sur deux. Donc on a déjà pu voir que non, l'environnement n'est pas comme actuellement. À expliquer, c'est-à-dire qu'il faut justifier sa réponse. Donc en disant le manchot, le renard, non. Quel renard? D'où il sort? Conclusion à revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et demi. Trop d'approximation. Mais par contre, c'est vrai qu'il a été concentré et sérieux du début à la fin, ça, je dois le reconnaître. Il y en a un qui a cassé un tube à essai, comme on a dit. Il a mis dans les vies, n'importe quoi. Alors, 20, 21, 22 et demi. Eh ben, c'est pas mal, ça fait la moyenne, ça. Après, beaucoup d'approximations, mais c'est pas grave, ça fait la moyenne. Alors, voyons voir. Suivante. Ah, c'était réponse, d'accord. Oh, 1200. Si, si, il y a eu un point. D'accord, je vais. Ouais, mais. Ah non, alors, vous savez pas si elle va être déçue ou pas. Parce que vous savez pas quelles étaient ses notes avant. Imaginez qu'avant, il est que 4 sur 20. 4 sur 40. 40 sur 40, rien qu'à l'écriture. Oui, ben je rappelle qu'il y a des élèves qui ont des difficultés et que, évidemment, déjà arriver à la moyenne, ça peut être une victoire sur soi-même. Hein. Évitez les prénoms, Maël et Hamza. Alors, crise biologique, pendant laquelle on observe une disparition brutale massive, d'accord. À son origine, à sa perturbation, oui. Rocher a pris la forme d'eau, oui. Saison, oui. La mauvaise saison, ce sont l'été et l'hiver. Et l'été et l'hiver, alors là il n'y a même pas d'explication, il n'y a rien. Région, voilà, au moins la région, on va dire pourquoi. Un exemple de résilience, c'est la forêt. Ah bah oui, et dans quel cas? Je serais curieux de savoir pourquoi il y a des traces de gras sur sa feuille. Parce que je ne l'ai pas vu manger en classe. Dans le cas où il y a des changements de biotope et des perturbations qui sont trop nombreuses. Alors, phrase à reprendre. Niveau de diversité change au cours du temps géologique à cause d'une catastrophe au cours du biotope. Alors là, pareil. Attention au mélange. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et demi. 15 et demi, c'est bien. Moins 350 millions d'années, moins 450 millions et moins 95 millions d'années. Très bien, la température Abyssi? Abyssi? Quand? Le nombre de familles est de 700. Alors là, c'est hors sujet. Je demande si ça augmente ou si ça diminue. Je ne demande pas le nombre. Oui, il provoque toujours des crises biologiques. Non. Ben non. Voir question 8. Une personne polyphage est un animal qui mange, peut pas manger plus de végétaux que d'animaux. Vous compliquez la vie. Alors, car dans le graphique, on voit qu'en été, en hiver, en automne et au printemps, il mange toujours de l'herbacée. Ben non, justement pas. Voilà.
la stratégie exogène de manger tout le temps de l'herbacé. Pas du tout. Alors je remontre hein, pour que... Herbacé, c'est donc celui-là. Donc là, il y a des herbacés. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Petite erreur de lecture. Alors, question, document. Se ressemble vachement. Alors, on évite. Aussi que la peinture d'Atlanta. Alors, on va dire un. Un, deux, trois, quatre, cinq et demi. Ouh là 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 là. 5 et demi et plus 1 et demi. Il faut plus de rigueur dans la rédaction. Donc 15, 20, 21, 22 et demi sur 40. Vous voyez pour elle par contre, 22 et demi sur 40, c'est pas terrible. Ah là là. Oh, 1400. Eh oui, c'est pas beaucoup, 5 sur 20. Oui, d'accord. Mais bon. Oh, dab, petit cœur. Alors, voyons voir ce qu'elle a travaillé, ce truc. Aïe, vous voyez, ça pique un peu, ouais. Oh, merci pour les roses, c'est gentil. Ok, c'est gênant. Ouais, c'est gentil, oh là là. Merci, Estelle, merci, Maria. Merci pour eux. Albanaise, ben ouais, elle a le droit d'être fière. Hein. C'est la mienne. Tout le monde dit c'est la mienne. Ce sont des sixièmes. Ah, il remplit l'objectif. Ah, j'ai même pas vu. Ah, merci. J'ai même pas vu que vous aviez rempli l'objectif. Ah, parce qu'il n'y a pas de son. Merci beaucoup. Voilà, c'est pour ça. Oh, je suis désolé, j'ai pas entendu. Sinon, je vous aurais remercié. Hop, et je fais que des objectifs à 100, c'est rigolo, mais pas les mêmes. Pourquoi 111? Je me suis trompé. Oui, allez, voyons voir. Bah ouais. Contrôle sur la meiose. Ah bah. Oh, un cœur enflammé. Merci. Merci Yanis aussi pour la fleur. Alors, crise biologique, période pendant laquelle on observe disparition massive. Ouais. Résilience, capacité à se reconstruire après une perturbation. Oui. Fossile ayant pris la forme. Oui. Mauvaise saison. Oui, perte de l'année défavorable. Tout à fait. Ah, c'est toujours les roses qui gagnent. Je sais pas pourquoi. Gros succès, les roses. Merci, la louve. Les deux mauvaises saisons ont été l'hiver. Alors, pareil, la région. Mais au moins, elle m'a donné des explications. Le meilleur exemple que j'ai trouvé, c'est la forêt, car elle se régénère après un incendie. Eh ben voilà, très bien. Si l'écosystème se fragilise par des changements, l'écosystème ne peut pas être résilient. Très bien. À cause des changements de biotope, à cause des qui provoquent des crises. Alors, phrase à revoir. Ouais, normalement, vous avez appris qu'on ne faisait pas une phrase par à cause ou parce que. Parce que j'ai un support pour mon téléphone, vous ne croyez pas que je tienne. Les dents? Ah, ben merci beaucoup pour les dents. Merci Néo pour Néo Cœur. Non, je ne peux pas regarder les dents en live parce que. Merci Cazole pour cette magnifique rosa. Parce qu'en fait, je regarde les copies. C'est pour ça que je suis désolé. Voilà. Je vous remercie tous. Vous êtes. Mais ce soir, vous êtes particulièrement gentil et généreux. J'aime bien quand c'est dans la bienveillance. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 18. Ah ben, voyez. Voilà. Bravo, Albanaise de cœur. Alors, moins 250, moins 200, non. Moins 450, oui. En moins de la température augmentée. Et les autres? Dommage, on n'a pas compris la question. En moins 150, la température a baissé, le nombre de familles augmente. Bon, elle sait bien lire le graphique. Non, ce n'est pas sûr, parce que par exemple, la température... Eh ben voilà, ça ne demandait pas plus. Polyphage signifie qu'il peut se nourrir aussi bien de végétaux que d'animaux. C'est sur l'écriture.
Le renard se nourrit pas tout le temps de la même façon. Au printemps, il mange beaucoup de lapins, beaucoup de rongeurs. Ah ben voilà. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10. Bon, mais elle n'a pas fait toutes les questions, mais c'est bien quand même. Et ça nous fait quand même 30 sur 40. Ce qui est bien. C'est un bon travail. Peut-être un peu les exercices à reprendre, mais bon. Oh, Marie-Lou surveillante. Bonsoir. Encore que là, ça va. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi j'ai des copies en plus? Ah oui, celle-là. C'est une autre classe qui a rattrapé sans contrôle. Merci Nicolas. Ah ben voilà, là j'ai entendu d'un coup. Tu y es presque, envoie un message. Zoubida, ne jouez pas à ce jeu. C'est elle qui l'a mis, c'est pas moi. Les live. Putain. Les GG, c'est à partir de 35. C'est pour ça, parce que sinon, je passerai mon temps. Hein. Il y avait deux notes, oui. Skiptar et Karmosmir. Ah, bon, ben merci Nicolas qui a rempli l'objectif à lui tout seul quasiment, et aux autres hein, qui l'ont aidé, bien évidemment. Donc c'est encore les roses qui ont gagné. Elles sont trop fortes, ces roses. Crise biologique, pas en observant une disparition brutale et massive d'un grand nombre d'espèces. Elle a un peu abusé sur le fluo quand même. Mais c'était pour rendre plus lisible parce qu'elle n'a pas sauté de ligne. Les deux mauvaises saisons dans notre région sont l'hiver et l'été. Bim. La forêt est résiliente d'un écosystème. Alors quand? Et alors c'est mal dit, mais bon. Il ne peut pas être résilient que quand il y a des changements de climatisation. Ou des perturbations trop nombreuses. Alors la climatisation, c'est non. La biodiversité change au cours des temps car il y a des phénomènes de cataclysme et des changements du biotope. Allez, 5, 10, 18 et demi. Très bien. Bah, dis donc, j'ai que des élèves qui ont bien appris. Hein. Pour en parler, j'ai facilement fait première et terminale SP. Ils avaient une heure. Ils notent en haut des fiches, oui, c'est pour reconnaître leur copie. Parce que sinon, ils n'ont pas leur nom. Hop, voilà, j'ai vite caché. Oh, c'est pas grave. 2023, ouais. Alors, il y a une partie de par cœur, oui. Peut-être un GG, ouais. Allez, on finit la correction. On est 1500 déjà. Bonsoir à tous les 1500. Merci pour les partages et pour les likes. Déjà 50 000 likes, c'est quand même énorme. C'est joli, il y a plein de couleurs. Oui, alors si elle me fait toute la copie comme ça pique. Hein. Alors, les disparitions, alors c'est moins, elle a oublié les moins, entre moins 300 et 400, entre 200 et 300 et 200. Non. Ah non, c'est A200. Non, c'est pas celle-là. Et celle-là, elle est juste. Donc ça fait 1, parce qu'il n'y a pas les moins, et en plus, celui-là est faux. Elle a fortement descendu, elle a pris l'ascenseur. Elle a pris l'ascenseur. Et alors en plus c'est laquelle? Qui? Quand? Vous voyez ça, c'est typiquement l'élève qui connaît la bonne réponse, mais qui l'a dans la tête, qui n'arrive pas à en faire une phrase. Oui, ben, ça dépend où on est. Le nombre de familles de fossiles augmente et la température elle diminue. Et ben voilà, ça c'est très bien. Donc la température peut rester stable. Et alors, pareil, une explication qui n'est pas complète. Polyphage signifie qu'il peut se nourrir aussi bien de végétaux que d'animaux. Très bien. Non, il mange plus de végétaux de la saison. Mais alors, quand? Par exemple, elle m'a dit il mange plus de végétaux en été, ça aurait été une super réponse. Mais là, il manque un élément. Sa stratégie est de changer toujours de nourriture en suivant la disponibilité. Alors, avant il y avait Milan et Peigné avec du charbon. Ça, c'est hors sujet. C'est pas du tout ce que je demande. J'observe qu'ils ne mettent pas de détails sur leur dessin. Pareil, hors sujet. Elle va s'arrêter au dessin. J'explique que dans le doc 3, un animal de pêche et dans le doc 4, un animal de chasse. Tout le temps, la peinture est la même chose. Ils n'utilisent pas le même matériel. Oh là là, catastrophe. À revoir. D'urgence. 3, 4, 5, 6, 7,
8,5. 8,5. Présentation plus 2, ça nous fait 29 sur 40. Alors, voyons voir. Ils sont au 6e. Je suis du sud. Alors, vous savez, hein, si on veut être un peu sévère, c'est facile. Hein, il suffit de relever toutes les erreurs. Tiens, regardez, prenons cette copie, par exemple. Imaginons, on note en mode sévère. Crise biologique, pierre. Alors déjà, c'est pas une pierre. Ayant pris la forme d'un ancien être vivant, on compte un point sur deux. Fossile, capacité à se régénérer après avoir perturbé, c'est pas celle-là. Résilience, période défavorable à certains êtres vivants, c'est pas ça. Mauvaise saison, période pendant laquelle nombreux êtres vivants disparaissent. En fait, celle-là. Ah si, pendant laquelle de nombreux êtres... Ah, celle-là, c'est juste. Mais celle-là, par exemple, c'est celle-là, et celle-là, c'est... Dommage, il a inversé, du coup. Les deux mauvaises saisons sont, je crois, mais bien sûr, le printemps parce que les fleurs meurent, et l'automne qui fait tomber les feuilles. Eh oui. Eh oui. Allez, zéro. Un incendie, c'est pas un écosystème, elle a tout confondu. Ah, c'est mauvais. Un écosystème ne peut pas être résilient quand il ne peut pas se régénérer. Ouais. Évidemment. Zéro. Les déchets, les incendies. Zéro, zéro. Voilà, ça nous fait donc, on n'a même pas mis 3 sur 20, en partie le son, c'est nul. Voilà. Alors là, j'en ai marre. Moins, 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 l'unité, elle y est pas. Allez, c'est zéro. Ça, une phrase, non? C'est zéro aussi. Elle diminue alors qu'elle monte. Qui ça? Allez, c'est zéro. Non, le changement de température ne provoque pas toujours une crise biologique, car la température change, les êtres vivants disparaissent et non l'inverse. Quoi? Allez, confus, zéro. Voilà, pareil. C'est nul. Voilà. Il mange de tout. Eh ouais, il mange des pierres aussi. Zéro, voilà. Il se nourrit pas du tout, ça se voit sur le graphique, évidemment. Évidemment, donc. Évidemment, zéro. Il se cache dans les intérieurs, mais bien sûr. On voit d'autres documents pour savoir comment c'était avant en Provence. Oui, donc ça c'est hors sujet. Allez, on va mettre 0,5 du miskin. Je vois les deux peintures rupestres et deux animaux qui auraient correspondent. Bon, ça c'est dommage, c'était là. Allez, 0,5 parce que miskin, pareil. Comme ils étaient là, ça signifie qu'il faisait froid. Qui ça, il? Non, allez, zéro. Conclusion, donc c'était avant, il y avait des esquimaux. Ha, ha. Ha, zéro, voilà. 1 point. 0,1 sur 20. Nul aussi. Présentation à 0. Allez. 4 sur 40. Qui c'est ça? Oh là là, ça m'étonne pas. Pouah, ça m'étonne pas. On est d'accord que c'est pas une vraie copie, hein? C'est pas une vraie copie. J'ai pas d'élève, ça n'existe pas. L'Imane Armadou, il n'existe pas. C'est une fausse copie. Voilà. Ah là là. Je vais vous l'écrire quand même. Hein, parce que. Voilà. C'est. Alors. Pour vous dire, c'est une blague. On a vu ça avec mes élèves. Ils m'ont dit, monsieur, faites une fausse copie. Et on fait un prank à vos spectateurs sur TikTok et sur YouTube. Hein? On leur fait un gros prank. J'ai fait une fausse copie et j'ai fait un gros prank. C'est moi qui ai écrit. Vous imaginez un prof qui écrit ça sur une copie? Ça craint quand même. Bon, désolé. Voilà. Désolé, c'est... Bon, il faut bien qu'on rigole un peu, hein, qu'est-ce qu'on s'amuse. J'ai vraiment que ça à faire, hein, vous vous rendez compte? Ah, attendez, il faut que j'enlève ça. Qu'est-ce qui m'a dit cap et chapeau? Alors, modifier. Bon, désolé, je vois pas tous les commentaires, parce que là, je suis dans les menus. Ah là là, c'était drôle.
Ça m'a fait rire. On va mettre des roses, c'est plus simple. Bon, allez. J'espère que ça vous a plu. Ah non, je vois que ça n'a pas plu, tout le monde s'en va. Bon. Ben moi, ça m'a plu. Ah là là. Bon, allez, on repart les vraies copies quand même. Ah là là. Non, honnêtement. Oh là là, comme ça nul. Non, mais c'est pas une vraie copie, hein. Ce qui arrive maintenant, c'est pas une vraie copie. Calmez-vous. On se calme, les rageux. On se calme. En fait, j'ai nourri le troll, j'aurais peut-être pas dû. T'imagines si tu prends que l'extrait vidéo et tu mets pas, c'est une fausse copie. Bon, allez. J'espère que ça aura fait au moins marrer mes élèves. Alors, crise biologique. Lien où on observe disparition. Alors, c'est pas un lien, c'est un moment. On observe disparition brutale et massive de quoi? Ah, vas-y, incapacité de reconstruire après une perturbation. Deux points. Après la forme d'un être vivant, mauvaise saison de certains êtres vivants. Les deux mauvaises saisons d'origine sont l'été et l'hiver. Très bien. Je ne me prends pas dans la forêt car elle se régénère. Elle se régénère après un incendie. Un écosystème qui ne peut pas être résilient. On ne sait pas. La biodiversité change quand il y a une mauvaise saison pour les autres ordres et notes. Incomplet. C'est dommage, vous voyez, j'ai pas la marge, j'ai pas la place d'écrire. 1, 5, 5, 10, 13 et demi. Et présentation plus 1, parce qu'il n'y a pas la marge. Les dates sont moins 440, moins 300 et moins 600. Alors, moins 600, non. Là, elle a pas fait. Elle peut se nourrir d'animaux que de végétaux. Très bien. 1, 22 degrés. Alors, non. La question, c'est. La question est. Diminue ou augmente. La température. Pareil. Oh, merci. Merci, Néo. Oh, ben, dis donc. Donateur principal. Merci beaucoup. Non, il ne se nourrit pas tout le temps de la même façon. Il mange beaucoup en été et en hiver. Il se nourrit en hiver. Alors, c'est incomplet. Il faut dire aussi qu'il change de nourriture. Déjà? Il conserve sa nourriture toute l'année et la mange à la mauvaise saison. Alors pas du tout, il change de nourriture au contraire. Alors non, c'est pas la même. C'est très sec et humide. Il neige. Observation, il y a beaucoup de fossiles. De fossiles. Peinture rupestre, pingouin, machin. Très bien. Les hommes n'avaient pas trouvé ces traces d'animaux. Oui. Donc le climat. Ça, la présentation, c'est pas bon. Conclusion. C'est très sec et humide. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est gentil. Oh là là, 8. 0,8. Donc ça nous fait oh, 21, 22. Et demi sur 40. Ah, pas loin des 25 quand même, c'est bien. Allez. Voyons voir ce que ça donne. 9? Ah, c'est 9. Bon, ben il vérifiera, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ils recomptent leurs points parce qu'ils savent, ben, ils voient que je me trompe, donc. Oui, je sais, il faut mettre un objectif, machin. Alors, crise biologique, période pendant laquelle la participation de notre matin, résilience, capacité à se régénérer. Oui. Je vais un peu accélérer parce que, après tout, j'ai faim. C'est l'hiver, très bien. Non. Perturbation d'incendie se régénère. Écosystème forestier, ah ben dites donc. Excusez-moi du peu, très nombreux, trop d'incendies. Quand il y a des changements climatiques et qu'il y a des catastrophes. 2, 4, 6, 10, 11, 11, 12, 11, 19. Ben voilà, ça c'est pas mal. Voilà, on met l'objectif pour être tranquille jusqu'à la fin. Et comme ça, on n'en parle plus.
Ce sont des sixièmes. Mais si t'aimes pas mes doigts, t'as qu'à partir. Qu'est-ce que je te dis? Approximativement 2 points. Température diminue. Température diminue. Non, là, la température, elle augmente. Le nombre de familles de fossiles augmente. La température augmente. Non, elle diminue. Non, nous ne sommes pas sûrs que j'ai... Pourquoi? Parce qu'il faut justifier sa réponse. Le polyphase, ça veut dire qu'il se nourrit aussi bien d'animaux que de végétaux. Ça veut dire... Oh là là. On voit que le renard se nourrit en automne de lapins et de fruits grâce au graphique. En hiver, il manque quelque chose. En automne, hiver de lapins et de fruits... Alors, de fruits, non. Phrase à reprendre. En hiver, se nourrit principalement d'animaux. Donc, il se nourrit de ce qui est disponible dans le... Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et demi. 10 et demi, présentation, plus 2, ça nous fait 20, 30, 31 et demi sur 40. Ce qui est un bon travail. Ah, celle-là, j'ai peur qu'elle pique un peu. Voilà. Non, ça me dérange pas l'insuite, il n'y a pas de souci. C'est des sixièmes et c'est noté sur des... ouais, les commentaires sont un peu répétitifs. J'ai 6 classes de sixième et 2 classes de cinquième. Bah écoutez, mes élèves en redemandent. Ceux qui veulent travailler, travaillent. Donc tout va bien. Mais du coup, j'ai plus le temps de faire des vidéos sur le programme de SVT. Alors, biologique est une crise de température. Alors non, une crise biologique, c'est pas une crise de température. Fossile, un fossile est une pierre. Une pierre qui s'est transformée en os. Pas du tout. Pas du tout. Une saison s'adapte le moins. Alors, une mauvaise saison, c'est une saison, évidemment. On ne définit pas un mot avec lui-même. Les deux mauvaises saisons, et le printemps, mais non, c'est l'été. La biodiversité change à cause du raisin, à cause du soleil. Et la résilience et la sécheresse. Non, sec. Bon, s'il a un PAP ou un PPRE, on ne comptera que les questions qu'il a faites. Allez, voyons voir un peu ce que ça donne. Hop. Ouf. C'est méchant, j'ai de la peine. Ah ouais, mais à un moment. Aide-moi, Julien. Ah là là. Mettez-moi une bonne note. Ouais, on est d'accord. Alors, perte de l'année, on observe des disparitions brutales et massives. 2 points. Résilience, capacité à se régénérer. Oui. Fossile après la forme. Oui. Perte de favoris, sa tête de trouillant. Oui. De mauvaises saisons ont été gagnées par la sédimité de valeur. Mais où? Non, alors c'est 2 plus 1 parce qu'elle expliquait. Si la forêt prend feu, elle peut se résilier. Non, alors c'est ça. Grâce aux graines. Mais c'est juste. Donc je vais compter 2 points. Parce que j'écris très très mal, c'est pour ça que j'arrive à les lire. Parce que j'écris sûrement plus mal qu'eux. Le système est fragilisé pendant un moment, il ne pourra pas se résilier. Alors c'est pas... Ça biotope change à cause des phénomènes cataclysmiques. Très bien. Alors 6, 10, 2, 4, 6, 18, 19. Très bien. Pour la partie leçon. Famille disparaissent 250 machines. Très bien. De ça, la température augmentée, diminue, diminuée. De poids, la température a fortement baissé quand même, qui a augmenté. Excellent. Donc, quand même, sous des températures très basses, on peut voir que le graphique est toujours en augmentation de fossiles. 2 points, plus 1, parce que c'est très bien rédigé. Possible, tu peux nourrir de viande et de végétaux. Oh, ça sent bon cette copie. Donc, on voit bien que sur le graphique, en hiver, il ne mange presque rien. Comparé à l'été, l'automne, il mange le plus. 2,5. Il a choisi de manger les lapins au printemps. Pourquoi? Parce qu'il mange ce qui est disponible. Je vais travailler sur un texte par la et aussi donner manager.
truc et il manque la question. Faut rappeler la question au départ. Texte, mais aussi des images, des animaux, lesquels? Ça, donc ça, c'est pas l'observation. Merci, mais elle dit pas ce qu'elle fait en fait. Non, je pense que ces images se ressemblent fortement, c'est pas les mêmes. Je pense avoir la mauvaise saison et il pouvait vivre normal. Allez, dommage. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. 14 plus 2. Donc ça fait 20. Oh, mais ça fait 35 sur 40. Et vous savez ce que c'est un 35 sur 40? C'est un GG de TikTok. Alors, on est 1200, on va dire 500 votes. Non, 500, 400 votes. Alors, est-ce que vous êtes prêts à voter? Il n'y a pas eu beaucoup ce soir. À voter pour qu'on lui mette un GG de TikTok. Merci Maxime pour le don. Qu'on mette un GG de TikTok pour l'encourager et lui dire bravo, félicitations, tu as bien travaillé. On t'encourage, on te dit good game de TikTok. On est 1300, est-ce qu'elle peut arriver, cette copie peut arriver à 400 votes? On va voir ça tout de suite. Oh bah d'accord, elle a déjà les 400 votes, donc GG de TikTok. Voilà. Donc on voit que... Oula, c'est 77. Merci Thomas, merci le J. Et Léa. Et merci Daniel pour ce premier cadeau. Et Pornogui pour ce premier cadeau aussi. Le live a commencé à 18h. Et là, il y a beaucoup d'écrits, donc c'est très nombreux pour les corrections. J'ai encore 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 copies. 7 copies. Cette copie, j'en ai encore pour au moins 20 minutes. Oh là là. Ah, j'ai pas vu. Il manque 2 points. 627, merci. 627. GG de TikTok, c'est qui est très bien. Donc là, ça fait 20, 34, 35. Non, c'est ça. Et non, parce que suivre... Parce que vous voyez, par exemple... Tracer un bandeau et une marge sur toutes les pages, eh ben, tous les élèves ne sont pas capables. Voyez, donc c'est normal que ceux qui savent suivre les consignes aient des points en plus, ceux qui ne savent pas, ils en aient. Oui, on a compris que s'ils ont besoin d'aide en maths, ils viennent te voir, ça va. Oui, celle-là, c'est une vraie copie, oui. Il n'y en a qu'une de fausse copie. N'empêche que c'était très drôle, la fausse copie. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Oula, ça, c'est du dessin. Sweet. Alors, période de l'année, on obtient une brute. Alors, c'est pas période de l'année, mais bon. Fossile. Mauvaise saison, période de l'année défavorable. De point, résidence, c'est une chose qui peut se reconstruire. Les deux mauvaises saisons sont été hiver. Ouf. Voilà, l'exemple que j'ai trouvé, c'est la forêt. Alors, quand est-ce qu'elle est résiliente, la forêt? Quand elle l'a, suite à un incendie. Il faut qu'il fait chaud ou froid pour qu'un écusson... Alors, mal dit. Oh, c'est dommage. Des bonnes réponses, mais toujours un peu à côté. La première raison des changements du biotope est les crises biologiques. Alors, 4, 5, 10, 13, 14. 14 sur 20. Moins 480, 380 c'est moins, et moins 25 millions d'années. Non, moins 25 millions. Ah, ça doit être 250, elle a oublié le 0. Dommage. Un point, parce qu'elle a oublié les moins et elle s'est trompée. Le premier, il y a beaucoup descendu, puis après, il y a beaucoup augmenté. Fortement descendu, c'est. Ok, c'est un peu confus, mais bon, nombre de familles fossiles. Alors, monte, ils prennent l'ascenseur. Donc, un nombre de familles de la réponse précédente, un nombre de familles augmente. Et bien voilà, malgré la diminution de température. Polyphase, c'est une espèce d'animal. Pas du tout. Tiens, c'est la première qui s'est trompée. Non, il ne se nourrit pas de la même façon. Et qu'est-ce que fait-il? Il utilise la tragédie des périodes, la perte de fruits, manger plus de fruits. C'est mal dit, mais c'est ça. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, ça nous fait
25 sur 40. Ce qui est bien quand même. Voilà, c'est pas mal, allez. On a fait un petit effort. Ah, lui, il n'a même pas caché son nom. Lui, il veut être connu. Ah. C'est à 35 les GG. 24? Bon, il recomptera, vous inquiétez pas. Il y a le plus jeune présentation, n'oubliez pas. Voilà, c'est ça. Non, oh, on a encore 1000, ça m'étonne toujours, moi. Ah. Ah ouais, la fausse copie était drôle. Je pense que celle-là, il faudrait que j'en fasse un. J'en fasse un montage pour la garder. Trop généreux. Ouah, après, ils ont travaillé. Moi, ça ne me dérange pas de lâcher des points à ceux qui travaillent. Crise biologique, période de l'année où on observe la disparition. Alors, c'est pas une période de l'année. Tiens, c'est bizarre. Cive, donc 1,5. Résilience, capacité de se régénérer après une perturbation. Fossile, roche ayant pris la forme. Oh! Fake, ouais, au cas où j'aurais confondu. T'imagines le jour où un élève met un vrai? Comment je fais? Parce que là, ça se verrait. Oh, un jour, je ferai ça. Je mettrai un billet dans une copie. Et après, je mettrai 20 sur 20 pour dire qu'il a payé sa note. Pareil, ça sera comme... ça sera comme la fausse copie. Oh, et... ce serait drôle. Oh, ce serait drôle. Merci, El Pepito. Mauvaise saison, défavorable. Ouais, les deux mauvaises saisons, on y vient à l'été quand même, on y vient à l'été. Mais c'est où? Deux points, plus un pour l'explication. Par exemple, une forêt qui se régénère après un incendie. Très bien. En cas de phénomène cataclysmique et de fragilisation. Il n'y a pas que ça. À cause des changements de biotope et un phénomène cataclysmique. Alors, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 et demi. 14, 15, 16, 17. 17. 17. Et un beau billet. Attention, hein. Alors pareil, moins, et l'unité. Donc, qui a perdu des points. Moins 1 pour la soin, ça a augmenté. Non. Ah, aussi, si, tout à fait. Ça a augmenté. Et 370, ça a augmenté. Non, ça, c'est faux. Non, la température elle a diminué. Le nombre de familles de fossiles a augmenté, tandis que la température a baissé. Baissé, ouais, elle s'est baissée. A diminué, oui, car à chaque fois que la température baisse, le nombre de familles augmente. Alors, c'est l'inverse d'une crise. Voilà, polyphage signifie qu'il se prendrait autant d'herbes que de viande. C'est mal dit, mais... on va compter son point. Non, car en hiver, on ne se nourrit pas d'insectes ni d'oiseaux. Et la stratégie est qu'il y a beaucoup de fruits, donc ils s'en nourrissent. Ils se nourrissent d'oiseaux, ça c'est pas mal. Tiens, okay, changement de stylo, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'en hiver, ils mangent des aliments de saison. Et ben voilà, c'est très bien. Plus un. Nous allons répondre à la question 3. L'environnement il manque les titres des documents pour dire ce que c'est. Je vois dans 2-3 qu'il y avait des pingouins, 2-3 qu'il y avait des bisons. Et bien voilà, 2 points. Il y avait donc en province des pingouins et des bisons. Ça, ça explique rien. Parce qu'en fait, normalement, s'il y a des pingouins et des bisons, on explique le climat. Avant, la province était froid. Tac, tac, tac. Ça, c'est là. Voilà. Voilà. Alors, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 présentation plus 2, ce qui nous fait 20, 31, 33 sur 40. Beaucoup de 30 aujourd'hui. Hein. Et un 33. 19, 33. Voilà. C'est gentil, merci. Si proche du verre. Alors, voyons voir. Allez. Courage. Toujours en live, eh ouais. C'est... ben, je suis en live quand mes élèves font des copies. Faut dire merci pour le billet.
Non, je pense qu'en fait, je vais mettre, je te dis, je vais mettre un faux, là j'en ai pas, mais je mets un faux billet dedans. Ben, c'est un dessin pour reconnaître sa copie, il s'en fout lui. J'ai oublié un point, eh ben il va la compter, vous inquiétez pas. La leçon c'est 18, eh ben vous inquiétez pas, il le comptera. Ah, résilience, capacité, tac, fossile, tac, mauvaise saison, tac. Nanana, tac, vous savez pourquoi je mets que 2 points, qu'est-ce qui manque, hein? Vous pouvez me le dire. Et là, pourquoi je mets qu'un point, qu'est-ce qui manque, hein? Normalement, vous pouvez le dire. Oui, c'est bien les SVT, tout à fait. J'écoute d'une oreille. Eh ben, bon exercice de TD. De TD de quoi? Et voilà. La majuscule, mais non. L'incendie, tout à fait. Je vais le bloquer, le prof de la S. Incendie, et là, il manque la région. Ah, tiens, il a mis la marge ici, il a oublié là. Les deux raisons sont que. Il n'y en a pas. Ah, c'est dommage, parce que du coup, c'est 0. Alors. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et demi. D'être précis. Précis dans les réponses. Ça, c'est plus un et demi. Alors, les dates et l'unité, il n'y a pas l'unité là. Bon, en plus, les dates sont bonnes. Hein. 550, je ne suis pas sûr. Ah, si, 550, une petite baisse. Mais il n'y a pas l'unité. On prend le dispositif à changer moins, à changer encore moins. Alors, mal formulé. Alors, le nombre de familles de fossiles monte. Et oui, et monte. Et oui. Et la température, on ne sait pas. Non, on ne peut pas tout le dessous que j'ai un problème. Car on ne sait pas. Polyphage, ça veut dire qu'il va se nourrir aussi bien de végétaux comme l'être humain. Très bien. Si le renard se nourrit tous les jours de la même chose, il va prendre tous les jours des fruits, mais ça dépend de s'il en trouve. Voilà. Le renard au printemps mange plus de la peine en automne des fruits. Et pourquoi? Alors ça m'ennuie, là, vous voyez, parce que ça, par exemple. Ça va dans la question d'après. Donc je vais y compter un point pour la question d'après parce qu'il a mis avant. Doc 3, peinture rupestre de la grotte Cosquer. Très bien, il n'y a pas la question. Observation, peinture rupestre de là. Voilà. Et là derrière, il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors 12, 13, 14, ça fait 21 sur 40. Ça va pas faire beaucoup de badges, ça. Allez, il reste 5 copies. Courage, papa. Ah. Oh, je compte pas l'orthographe. Je rappelle que mes élèves ont le sujet à l'avance. Hein? Ils ont une semaine. Alors, elles ne peuvent pas se passer le sujet parce qu'elles toutes ont leur sujet. Alors, TD de microéconomie, de macroéconomie, de mathématiques. Oh la vache. Pas de SVT. Ah oui, effectivement. Alors moi, la micro, la macroéconomie et les statistiques, c'était pas vraiment mon trip. Bon, après, j'ai fini prof de SVT, c'est peut-être pour ça que j'ai fini prof de SVT. Oui, ils ont le sujet en avance, oui. Ils ont une vidéo. Vous regarderez sur ma chaîne YouTube. Ils ont une vidéo qui présente le sujet une semaine à l'avance. Et l'heure d'avant, l'heure avant cette interro, alors c'était souvent la semaine d'avant, hein, puisque je les vois qu'une fois par semaine, ils ont pu regarder la vidéo, réviser, poser toutes les questions qu'ils voulaient, etc. Voilà. Et ils ont aussi, en biocellulaire, ben effectivement. Et le dessin, c'est pour reconnaître leur copie, parce que je ne montre pas leur nom, bien évidemment. Ben, je corrigerai. J'oublie un S. Voilà. Alors, crise biologique. Période pendant laquelle on observe
Progression brutale. Ils peuvent même regarder les corrections des autres copies s'ils veulent. Une forêt qui se régénère après un incendie. Un écosystème cataclysme important, éruption volcanique. Ou quand il y a trop de perturbations. Et changement de biotope. Donc 4, 10, 2, 4, 6, 17 et demi. Pas mal, 17 et demi. Les trois dates sont tac 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 tac. Et ben voilà, très bien. Le nombre de fossiles. Le nombre de familles a augmenté, faiblement diminué. Relisez-vous. Sa phrase, elle veut rien dire là du coup. Je sais que c'est la température qui a faiblement diminué, mais c'est pas écrit. Donc pas de crise, mais pas pour toute la température. Mal dit, encore une qui fait pas l'effort, malheureusement, de rédiger correctement ses réponses. La température a fortement diminué, elle est stable. 152. Le polyphage, il peut se nourrir aussi bien de végétaux que d'animaux. Oui. Je vois sur le graphique que le renard ne mange pas la même façon d'être un se nourrit du fruit, c'est la saison. Mais très bien. Lors de la même saison, s'abrite selon les saisons, s'habitue. C'est bien qu'il est polyphage. Ah ben c'est très bien ça. Il se nourrit de fruits en été et d'animaux en hiver. Je donne peut-être un truc de 3 et 4. Il manque la question. Je rappelle que dans la partie présentation, on doit rajouter la question. Environnement, il faisait froid. Alors non. Vous ne voyez pas qui fait froid. Vous voyez des animaux qui font froid. Et on explique que c'est lié au froid. C'est pas la même. Il faisait plus froid. Conclusion est bonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Présentation plus 2. Et ben voilà. Alors, 17, 10, ça fait 20, 35. Tac. Et demi, je suis trompé. Ouais, c'est là. Alors, tac. Alors, ça nous fait 18, 20, 35. Ah, 35 sur 40. Petit. L'année la plus drôle, chacun a ses trucs. Et ça va pas, Maxime, il faut se calmer. Hein. Pète un coup, ça ira mieux. Donc on est 879, s'il arrive à 200 votes, on lui met les GG de TikTok pour le féliciter, parce que quand même, c'est un beau travail. Oui, en fait, c'est vrai. C'est vrai que pendant les minutes, se téléporte quand on fait un contrôle. Ah ben les 200 sont déjà obtenus, hein. Alors, voyons voir combien il va arriver de GG cet élève. Je prépare la copie d'après, qui est une vraie copie. Hein. C'est pas une fausse copie. Pas une pseudo copie. Attention. Oh, bah c'est pas mal quand même. Quasiment un tiers des réponses. Je suis prof de SVT, ce qui fait que je corrige des copies de SVT. En 6e, dans un collège d'Avignon. Petit collège tranquille. Les GG de TikTok. Bravo Prissou. Ça c'est du vote. 376. Eh ben c'est pas mal 376. Et cette fois je l'ai vu. Alors mon parcours d'études. J'ai fait un bac D. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Alors pourquoi je dis oh là là, regardez, parce que déjà écrit Mercedes versus BMW versus Audi. Bon, admettons il aime les voitures, j'ai rien contre. Mais alors par contre le reste, définition fossile, être humain ou objet ayant pris la forme dans la roche. Alors, on va y compter un point et demi, allez. Mauvaise saison, saison où le soleil est trop concentré ou pas assez concentré. De mauvaises saisons sont l'hiver, été-hiver. Mais où? On ne sait pas. Là, il n'y a rien. Polyphage signifie omnivore. Et non. Un synonyme n'est pas une définition.
elle est écrite dans le texte. Et attention, oh, rien, rien et rien. Donc, présentation plus 2. Et donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4 et demi. Et là, ça nous fait 0,05. 5, ça fait 7 sur 40. Je sais pas ce qu'il aime comme voiture, mais... C'est pas ça qui l'a aidé à prendre sa leçon. Allez, voyons voir cette avant-dernière copie. C'est pas difficile. C'est quoi la fausse copie? Ah. Alors, dans le live, j'ai mis une fausse copie. Elle est là. Ah, j'allais oublier. Ah non, c'est l'avant-dernière copie, oui. J'avais mis une fausse copie. C'est moi qui l'ai faite et j'ai été très, très, très méchant quand j'ai corrigé. Et les gens, ils se sont très, très, très énervés. C'était très, très, très drôle. C'est moi, ça, c'est parce que je vérifie leur copie, voir s'ils n'ont pas écrit à l'avance. Donc, je regarde qu'ils n'auraient rien écrit dessus. Et ouais. Voilà. Bon, allez. Une coloscopie, c'est ça. Mais je crois que je l'ai faite, en fait. Mais la présentation, c'est pour voir s'ils suivent la consigne de faire un bandeau et une marge, et s'ils arrivent à suivre la consigne. Vous voyez, cet élève y est arrivé, donc c'est déjà pas mal. Et contrairement à ce qu'on pense, eh ben, ils n'y arrivent pas tous. Alors, capacité à se régénérer après. Perturbe, période de l'année. Certains êtres vivants, crise biologique pendant laquelle disparition massive, oui. Moi, j'ai appris la forme d'être vivant, oui. Les deux mauvaises saisons sont l'été et l'hiver. Faut dire où, région, un exemple de résidence, un écosystème, un salon feu peut se régénérer 10 ans, plutôt 50 à 60 ans. Très bien. L'écosystème est fragilisé par des changements climatiques et des perturbations trop nombreuses. Excellent, c'est la biodiversité. Non, c'est à cause des changements de cette cataclysmique. Très bien. Là, plus un. Donc ça fait 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 19. Ah, ça c'est bien. Les trois dates, tac, 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 tac. Et ben voilà. Il a d'abord augmenté, à peu près, il restait stable, il a diminué vers la fin, augmenté. Alors là, c'est confus, parce qu'il faudrait dire qui a fait quoi à quel moment. Enfin, a diminué, la température augmentée. Alors c'est l'inverse. Dommage. Question 9, pas fait. Je vois que le renard mange plus de nourriture en automne et hiver, il ne mange pas du tout la même chose. 2,5, il fallait quand même s'appuyer sur le graphique, donner quelques chiffres, sa stratégie de manger plus de nourriture pour que ça ne se donne pas du tout. La présentation, je présente deux images, une peinture, une date et la question, il faut. Je vois que deux images qui se ressemblent. Lesquelles? De l'observation, c'est je vois. C'est du coup une grotte. Rien à voir, rien à voir. Se nourrir aussi bien d'animaux que de végétaux, et là il n'y a rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Présentation plus 2, et ça nous fait 29 sur 40. Ce qui fait quand même un petit 15 sur 20. Et enfin, on finit avec Algérie. Pour une pauvre copie qui avait rien demandé. En plus, c'est joli. Ouais. Ah, vous montrez la fausse copie. Où je l'ai posée, celle-là? Alors. Où elle est? Je l'ai gardée au moins. Voilà la fausse copie. Voilà, j'avais marqué nul, nul, nul aussi, catastrophe, et oui, hors sujet, évidemment, en phrase, j'ai mis des zéros partout. Qu'est-ce qu'on rigole? Pour le prochain live, je mettrai un billet dedans, et je dirais que l'élève m'a payé, et j'y mettrai 40 sur 40. En fait, c'est pas vrai, mais bon. Ah là là. Bon allez, on finit, parce qu'après, est-ce que ça vous intéresse de voir la saisie des notes sur Pronote? Non, il n'y en a pas eu ce soir des 40 sur 40, je suis un peu déçu. Il y a eu pas mal de bonnes notes. Il n'y a pas à dire nul, c'est une fausse copie, c'est une blague. Par contre, c'est pas passionnant, hein. Je vous le dis tout de suite, la saisie des notes sur Pronote, c'est pas ouf. Hein, voilà.
Alors, crise biologique est une période de disparition massive sur l'ensemble de la Terre. Très bien. Sécheresse régénérée. Excellent. Fossiles après la fin de notre vivant. Oui. Cette période de l'année. Oui. Non, mais c'est. Ah. Il fallait dire où? Quelle région? L'écosystème forestier exprime à travers sa capacité à se. Deux, on va y mettre le plus un comme l'autre élève qui a fait la même chose. Il est fragile par des changements climatiques, des perturbations trop nombreuses. Très bien, c'est à cause des changements de niveau top et des cataclysmes. Au moins, elle a commencé par un verbe, c'est déjà pas mal. Donc 6, 10, 19, ce qui est très bien. Les dates sont tac, 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 2 points. Je vois sur le graphique les températures d'automne diminuent alors que le nombre de familles de fossiles a augmenté. Relisez la question parce que là, par exemple, elle ne répond pas vraiment, pas du tout même. J'y mets un demi-point parce que la réponse est juste et bien, mais c'est pas ma question. La température diminue alors que le nombre de familles de fossiles continue à augmenter. Voilà. Si on observe sur le graphique la température moyenne diminue, donc non, on ne peut pas être sûr que. Ben voilà, bien rédigé. On se nourrit aussi bien d'animaux que de végétaux. Le renard se nourrit pas de la même façon, ça dépend des saisons. Alors comment est-ce qu'on le voit sur le graphique? Facile à voir. Ah, mais c'est pas mal ça. On commence par chercher à expliquer l'environnement de Provence. Ah, c'est bien ça, mais là il fallait me parler des documents. Là j'observe une peinture. Oh là là, très bien. Tiens, plus un parce que c'est la seule à me l'avoir fait. En Provence, la région, on dit qu'il fait froid car les animaux décidés sont observés. Ouh, froid. Si les animaux dessinés et observés. L'orthographe vous trahit. Parce que je pense parce que les animaux d'observés ont été observés. Un point, très bien. Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et demi. Eh ben, 17 et demi, présentation plus 2. Ça nous fait 19 et 19, 38 et demi sur 40. Il a fallu que ça soit la dernière copie, évidemment. C'est malin d'arriver comme ça à la dernière copie. En plus, elle a gagné un badge Pokémon. Ouais, parce que je rappelle que les élèves qui arrivent à 38 ou plus gagnent un petit badge Pokémon. Alors, GG2. TikTok. Alors, ah j'ai mis oui, mais en fait peut-être elle va pas les avoir. Il faut avoir, on est 1700, avoir 500 votes pour les GG TikTok. Est-ce que vous êtes prêt à encourager cet élève, cette dernière élève, pour dire le GG de TikTok? 800 votes. Et si elle arrive à 1000 votes, j'y rajoute un demi-point. Ce qui change pas grand-chose, mais qui fait toujours plaisir. Merci Laure pour le don. Donc combien on est 2200? Non, on va dire 1500 votes, voilà. Comme ça, je suis sûr que vous n'y arrivez pas. Trop méchant. Ah, mais si, en fait, déjà 800 votes. Ah oui, en fait, soirée sympa quand même. Ah ouais. Ça vote dur, dis donc. 2400 personnes. Ah, mais en fait, vous allez y arriver. Non, non, non. En tout cas, elle a bien mérité ses TikTok parce qu'elle a excellemment travaillé et elle a fait une très belle copie. Merci, Inès. Pour ce don. Et ça permet d'acheter le matériel pour faire les badges d'ailleurs. 1200. Oh là là, merci Zucker. 1200 votes. Putain, je crois que c'est elle qui a explosé le record ce soir. Allez, j'avais dit 1000, j'y rajoute. Voilà. On lui met le demi-point, allez. Bon, ben du coup, vous avez vu? On va mettre ça là. Bon, mais voilà, les copies sont corrigées. Pouh, j'ai dû passer 1 heure et demie à corriger ces copies. C'est bien long. D'habitude, c'est pas aussi long. Bon, je vais aller saisir les notes sur Pronote. Ceux qui veulent le voir, qui fait des notes en fonction des cadeaux, ah, c'est un demi-point. Ça va rien changer. Et en plus, c'est pas en fonction de ses cadeaux. Non, ça c'est une fausse copie. Regardez, c'est écrit, fausse copie. Calmez-vous les rageux, soyez pas méchants. Voilà.
Je mets ce que je veux, Feriel, à mon élève. Si j'ai envie d'écrire nul, tu pourrais mettre tout pourri, voilà. Voilà, et puis on raye tout en plus parce que c'est tout pourri. Voilà. C'est pas une vraie copie, c'est pas une copie d'élève, c'est moi qui l'ai faite pour faire un prank. Voilà, c'est tout. Et ça marche encore, c'est fou. Alors que c'est écrit fausse copie, on voit quand même. Ah, ils m'ont donné une idée. Oh là là. C'est mes élèves qui ont eu mes élèves qui ont eu cette idée. En fait, ils ont eu une super idée, je trouve. Ça m'a beaucoup amusé. Bon, allez, c'est pas tout ça, mais je vous remercie de m'avoir accompagné. Oui, ben, on fait avec le rire qu'on a. Mais c'était drôle. Je vous remercie de m'avoir accompagné. Désolé pour ceux qui sont arrivés sur le live maintenant. Hein, parce que si vous voulez voir Pronote, c'est sur YouTube, sur la même chaîne, SVT avec Renoir. Et promis, je mettrai pas de fausses notes sur les fausses copies. Par contre, je vous avertis tout de suite. Ah ouais, t'es une grosse merde. Et voilà. Donc, allez, je vous dis bonne soirée. Merci pour les partages. Merci pour les dons. TikTok me dit ça fait 1h30 que tu y es, maintenant il faut partir. Si vous voulez voir Pronote, c'est sur c'est sur YouTube. Ça, et ça finit mal. Allez. Et n'hésitez pas à expliquer aux autres que ça, c'est pas une vraie copie. C'est une fausse copie, c'est moi qui l'ai mise. Et la prochaine fois, je mets un billet dans la copie. Juste, oui, c'est tellement drôle d'exposer une fausse copie. Une galaxie si je reste, c'est gentil, mais je peux pas rester parce qu'avec TikTok, je peux pas cacher les noms de mes élèves. Donc, priorité à la vie privée de mes élèves, bien évidemment. Bon, allez. Mon compte YouTube, c'est SVT avec Renoir, c'est le même. Vous inquiétez pas. Donc, allez, bonne soirée. Merci de m'avoir accompagné. Et à bientôt. Mais c'est pas une vraie... Il y en a, ils ont pas bien compris le coup de la fausse copie. Ah là là. Oh, mon faux... Eh ben, moi, on fait rien. Voilà. Ah. Au moins, c'est ça. Écoute. Et puis, ça fait 3,44€, comme ça. Avec les 3,44€, je pourrais acheter des badges. Voilà. Allez, allons chez Gérinoc. Voilà. Oh là là. Ah, vous m'avez vendu du rêve sur Pronote. Vous m'avez vendu du rêve sur TikTok. Ah. Vraiment. Bon alors. Ne vous inquiétez pas, le temps que j'installe, hein, vous n'allez pas voir grand chose. Oh, mais il y a plein de monde d'un coup. Il faut que j'installe les fenêtres. Hein. Ah du coup, il y a personne sur Twitch. Peut-être que ça... Ah non, sur Twitch, ça marche aussi. Voilà. C'était super drôle. Ah là là. Pof, tu flops sur un live de SVT. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue. Alors vous allez voir, c'est pas passionnant. Hein. Je sais pas. Je sais que ça peut vous plaire, hein, mais c'est pas hyper passionnant non plus. Hein, on est d'accord. C'est juste quelqu'un qui rentre des notes sur une liste. Donc après c'est vous qui voyez. Vous allez comprendre pourquoi je le fais ici et pas ailleurs. Parce que justement je peux cacher les noms de mes élèves. Hein. Donc là je passe sur Pronote. Ah moi j'essaye de corriger le plus tôt possible parce qu'après j'oublie. D'ailleurs j'ai des copies en retard. Et il faut que je les fasse. Alors, c'était les 6e 3, trimestre 2. Et il faut que je crée le devoir, j'ai oublié, zut. Voilà, 6e, 5e 2.
c'est chapitre 2, leçon 1, partie leçon, voilà, on crée, et sinon, hop, partie exercice plus présentation. D'habitude, je le fais avant. Il vous les rend pas en plus. J'occupe mes soirées, ben, c'est le boulot en fait. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, ben, à un moment, un prof, ça travaille pas que quand c'est devant ses élèves. Donc là, je cache les noms. Voilà. Je passe sur OBS. On passe sur l'écran principal. Voilà, comme ça, vous avez non seulement les notes, mais vous avez aussi le live Twitch où il n'y a personne. Et là, ça va mieux ou pas? Normalement, vous voyez mieux. Et là, je vais commencer à rentrer les notes. On va voir la moyenne un peu de la classe. Et évidemment, oh, 21, 19 et 18 avec le demi-point des GG. On est bien d'accord que c'est pas ça qui va modifier sa moyenne de façon drastique. Alors, et elle... Oh, mais quel progrès! Regardez-moi ça, ça mériterait bien, un bel encouragement, ça, peut-être. Bravo pour les progrès sur la leçon. Bon, lui, ça m'étonnerait qu'il ait des progrès. Ah, ben, non noté, tout d'avant. 4,5 et 2,5. J'ai pas de troisième. Non, non, j'ai pas de troisième. Oh, on est 82. Alors 82, pim, une petite publicité, non? Eh, c'est la moula, ça, c'est... 17,5 et 17,5. Ça fait quand même une belle moyenne. Ça, c'est qui? C'est 8. 12,5, mais c'est bien, c'est un joli progrès. Et 8,5, mais ça aussi, c'est un progrès. Là, 17 et là, 16, petite baisse, bon ça arrive. Bah, qui est-ce qui gueule comme ça? Ah, c'est celui-là. Là, notre live vendredi normalement, si j'ai le courage, je corrige vendredi soir. Des sixièmes, ça sera le dernier contrôle de sixième de ce trimestre d'ailleurs. Oh, bonjour titre de 64. Corriger les copies sur mon bureau pendant un contrôle. On regardait, s'énerver en regardant, se demandait si c'était possible de rendre des copies pareilles. C'est parce qu'il a jamais fait de live, c'est pour ça. Ah, il est parti pour une autre mission. Eh ouais. Ben c'est ça. Hein. Comme on manque de personnel dans l'éducation nationale, on envoie les profs un peu partout. Voilà, ça c'est bon. Ah, et cet élève, voyons voir un peu. Oh, mais ça c'est de l'augmentation de malade, ça. Mais c'est une belle progression aussi, putain. Vous voyez que c'est pas des notes extraordinaires, mais que beaucoup d'élèves se sont améliorés quand même. Et ça, c'est agréable. Regardez, cet élève qui avait 4,5 qui est passé à 13,5 en leçon. Et là, qui a 9 en exercice et qui avait 8. Et ben, c'est pas mal. J'ai l'air ultra sympa, oui, après. Facultatif, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de le rendre. Moi aussi, je fais des devoirs facultatifs en classe. C'est-à-dire que tu le fais, mais tu n'es pas obligé de le rendre. Par contre, à la fin du trimestre, il faut se méfier. Ah, petite baisse. Il faut se méfier parce que ça compte quand même à la fin du trimestre. Et elle, voyons voir. 18, c'est bien. Ah, 12, ça c'est un peu moins bien. La petite baisse, cet élève. J'ai l'impression que les bons élèves sont un peu relâchés et que les élèves plus fragiles ont fait de gros efforts. La 15,5, c'est la même. Par contre, en leçon, c'est un peu baissé, c'est dommage. En exercice, c'est un peu baissé. C'est pour ça que les notes séparément. Et lui, oh là là, extra! Regardez, vous voyez, quand je disais, il avait 2, il a 11,5. Et là, il a 11. Et que de progrès, c'est merveilleux. Ouais, c'est ça. Sympa, mais tant qu'il y a du travail.
Et oui, forcément, c'est un nouveau prof qui remplace. Déjà, vous ne plaignez pas, vous avez un nouveau prof qui remplace. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus assez de profs, donc il n'y a personne qui remplace. Là aussi, pétard. Eh bien, je pourrais féliciter cette classe parce qu'ils ont fait de gros progrès, notamment en leçon. Je vois qu'il y en a qui se sont vraiment donnés à fond sur ce contrôle. Hein. Et même en exercice, je vois qu'il y a une amélioration. Hein. Pétard. Alors, et lui, il est là. Ah oui, on n'est pas obligé. Moi, il y a les deux. Il y a les notes et les compétences. Et ça, c'est qui? Tac. 18, alors qu'il avait 21 et 17, mais l'exercice peut être un peu plus compliqué. Et enfin. Vous avez vu un peu ses progrès là? Mais il était là lui. Pas là lui. Attends. Il m'a pas rendu sa copie. Voilà. Bon. Ah non, il était pas là. Donc vous voyez ce que ça donne d'après vous? On va se faire opérer de l'épaule, bah oui, forcément. Donc vous voyez. Les profs de SVT, tous les profs, ouais, c'est vrai, il manque des profs de partout. Donc regardez cette classe, les notes sont pas fantastiques. Si on regarde, il n'y a pas de 40, il n'y a pas de 38. Mais ils sont passés d'une moyenne de 11,6 à une moyenne de 14,4 en leçon. Ce qui prouve que quand même, il y a eu de gros efforts sur l'apprentissage. Après, il y a eu une petite baisse, et un point de baisse sur les exercices, mais un point, bon, ça peut se comprendre. Ah, loupé le CAPES, désolé. Si c'est l'oral, je peux aider à entraîner à l'oral. C'était un des trucs que je faisais quand j'étais formateur. Bon, allez, je vous remercie de m'avoir accompagné. Ouais, 1h30 toutes les semaines, ça aide pas vraiment. Hein. Ah ouais, non mais... Après, on dit, les professeurs sont toujours en vacances, machin, ils sont trop payés, mais en attendant, personne ne veut le faire. C'est bien qu'il y ait un problème. Bon, allez, j'ai passé du temps quand même, hein. Les notes sont rentrées, là je vais aller faire la soupe de cresson, parce que j'adore la soupe de cresson, et que c'est bientôt l'heure. Et ensuite, merci de m'avoir accompagné pour cette correction. J'avoue que je me suis bien amusé, notamment avec la fausse copie. Promis, la prochaine fois je fais le coup du billet à l'intérieur, et on va voir si les rageux seront les mêmes ou pas. Allez, au revoir, et à bientôt. Ah ben, si vous êtes dans la région, Arthur, je pourrais vous aider à faire préparer votre oral. Allez, bonne soirée et merci.